J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, tout simplement, on va reparler un petit peu de la Cocteau Cup. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une map edit aquatique que j'ai créée. Et donc il y avait un petit tournoi dessus. Donc j'avoue que j'en ai pas trop parlé, mais là on va revenir dessus avec un petit record de ice. Donc pour l'instant, le world record d'ailleurs, bah, vous aussi vous pouvez le faire et peut-être le battre et gagner du cash prize. D'ailleurs le cash prize va être changé, on va reparler dans la vidéo. Donc le premier à la manette, c'est Skymania avec 6 minutes 51 et le deuxième c'est Wars avec 7-18. Donc voilà, je vous mets le code en description pour ceux qui veulent la tester et peut-être tenter de gagner un petit peu de cash prize. Nous en tout cas, on va regarder la vidéo de Ice juste avant les potes. N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 50 000, je compte sur vous. Et n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce bleu, objectif 2000 pouces bleus. Bref, c'est parti, let's go. Alors, nickel. Alors, what the fuck, vraiment, il y a une résolution super bizarre. Mais en vrai, il se déroule mal. Du coup, je vais vous parler de plusieurs choses dans cette vidéo. Déjà, de une, la Cocteau Cup, j'ai pas trop fait de vidéo parce que c'est vrai que Ewars est directement arrivé et a mis la barre très très haute, donc forcément. Mais voilà, donc forcément, la map, elle a été vite pillée en deux et donc le cash prize va être changé. Je vais pas vous mentir, je pense que je vais mettre 25€ manette et 25€ clavier souris parce que, en vrai, par exemple, Skymania, il a fait une vidéo, il a eu le world record instant, genre il a fait une fois la map, il a limité le world record et Ewars, c'est pareil, du coup, j'ai vraiment décidé de baisser le cash prize simplement. Et voilà, parce que il y a même pas eu de compétition. Finalement, il y a même pas eu de compétition. Ils sont arrivés, ils ont tout déchiré. GG à eux. Hein. Parce que regarde, même là, le mec est fort. Mais Wars, il est. Enfin, frérot, genre, il est au-dessus. Après, c'est le boss des map edit aussi. Hein. À la limite, il y a Monsieur Brocoli, mais il l'a pas fait. Donc voilà. Donc j'ai décidé de tout simplement diviser le cash prize par deux. Mais vous pouvez toujours faire la map, mettre avec l'hashtag Cocteau Cup. Et peut-être que je ferai des vidéos réactions. Comme là, je le fais actuellement, tu vois. Là, hop là, on regarde nice. Et peut-être que certaines personnes vont le découvrir, ça peut être cool. Ok, donc là il fait bien les edits, nickel. Ah, il s'est loupé, dommage. Là il perd pas mal de temps. Hein. Mais voilà, d'ailleurs merci beaucoup, on est bientôt 50 000 abonnés sur la chaîne. Ça fait juste super plaisir, merci beaucoup pour tout le soutien. Merci à tous ceux qui mettent le code créateur Cocteau. On est bientôt à 1000 soutiens, donc merci à ceux qui le mettent quoi. Hein. 1000 soutiens c'est quand même pas rien, enfin on n'y est pas encore, mais presque. On est à 700 et quelques, donc merci à vous. Et en vrai, la map edit, j'ai pas commenté, c'est un petit peu un bad buzz. Mais en vrai, c'est pas grave parce que. Bah, en vrai, j'ai kiffé l'affaire. Tout simplement, j'ai kiffé l'affaire. Je l'avais faite avec un pote et tout. Et vraiment, j'ai kiffé. Et puis voilà. Après, c'est une map edit comme. On peut le voir. Hein. C'est très très simple. Il y a des edits très basiques. Et vu que c'est dans l'eau, en vrai, ça limite pas mal. Donc voilà. Mais c'est un truc qui sortait de l'ordinaire et que j'ai bien kiffé faire. Voilà. Ok, là, nickel. Il a juste loupé un œil, mais c'est pas très grave. Mais c'est un peu dommage ouais, que Ewars et tout. Et directement, ils sont arrivés, les mecs sont arrivés en mode, on n'a pas notre chance, tu vois, parce que, le mec, il claque 5 edits par seconde, qu'est-ce que tu vas avoir ta chance? Ok, là, il devrait mettre des sols, il gagnera un tout petit peu de temps. J'ai vu qu'il y avait pas mal de joueurs Switch aussi qui l'avaient fait. Mais je reverrai pour faire une map edit, peut-être avec toi. Après, les map edit, tu vois, je sais pas si ça vous plaît, tu vois. En vrai, est-ce que ça vous plaît, le chat? Parce que c'est vrai que, je sais pas, tu vois, les map edit, il y a l'air, ça, c'est compliqué, hein. Les map edit, honnêtement, je sais pas, c'est peut-être saut 2019, tu vois, peut-être que c'est passé les map edit. C'est que moi j'aime bien regarder, etc. Tu vois, c'est toujours cool. Après, c'est vrai que peut-être qu'on a trop vu, tu vois, on a trop vu de map edit, le bouseux, Tixi, etc., qui en ont beaucoup fait, donc peut-être que les gens sont blasés aussi, c'est possible que les gens soient blasés et tout. En vrai, moi j'ai bien kiffé ma map edit, donc voilà. C'est le principe, j'ai envie de vous dire. Ok, nickel, allez, fait les petites extends, impeccable. Ok, nice. Ok, loupe sa petite main. D'ailleurs, j'hésite à vous sortir une vidéo qui devrait peut-être bientôt arriver. Pourquoi j'ai le mode sourd et pourquoi j'utilise le mode sourd? Est-ce que ça vous intéresserait? En vrai, je pense que ça peut être cool, honnêtement. Je vais essayer de vous faire ça. Quels sont les avantages du mode sourd, les inconvénients et puis voilà, tout simplement. Bref, ça, alors là, ça c'est une épreuve assez facile, honnêtement. Réédit, édit, réédit, édit, voilà, tout simplement. Il la gère parfaitement. En vrai, il a quand même pas dû faire un mauvais score. J'ai même pas vu dans le titre. Non, c'est même pas écrit dans le titre, donc on va voir ça tout de suite. Là, j'ai peut-être fait un truc un peu trop long. Hein. Et il a fait 6 minutes 26. En vrai, c'est pas dégueulasse. Hein. Pourquoi il a eu 9 pouces rouges, what the fuck? MDR World Record, un joueur manette, a fait 6,51. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça. Ok. Bon, en vrai, il reste quand même chaud en edit. Merci beaucoup à toi, Is, pour ta participation, ça fait plaisir. Juste, les gars, même si vous êtes pas très fort, testez la Cocteau Cup. Vous mettez la vidéo sur YouTube. Et souvent, je vais dans filtre et je fais aujourd'hui. Et je regarde qui c'est qui a publié la vidéo. Bon, aujourd'hui, il n'y a personne parce que je n'en ai pas parlé depuis longtemps. Mais généralement, je le faisais, etc. Tu vois, j'ai regardé. Regardez. Je mens pas. Hein, j'ai regardé un petit peu un joueur Switch, etc. Tu vois. J'essaie de regarder des petites pauvres. Histoire de possible, peut-être pas.
On n'est pas tous. Moi-même, je suis pas le meilleur en edit, mais si je peux mettre un mec chaud, un peu chaud en avant, ça peut toujours être sympa. Bref, les potes, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, lâchez un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt aux 50 000, ça fait plaisir. C'était Cocteau, ciao, et on se retrouve sur Twitch, chaîne en description.